venez, dites-vous, pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans demain. Nous sommes ici seuls et l'on peut, ce me semble, sans crainte d'être ouïs y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur, et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous, et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien source, me semble, est le soin qu'on en prend. Mais... quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont sans pauvre mari ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on ait vu garantie. Que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guère. L'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. Et voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une, de son galant, à la droite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât, et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense. Et le mari Benet, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rend des grâces à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche, on rit aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir débiter des choses qui se passent. Mais, quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste. Et bien qu'aux occurrences, je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucuns un mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il faut craindre un revers de satire, et l'on ne doit jamais jurer, sur de tels cas, de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelques disgrâces humaines. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main, et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage, que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a daubé d'importance. Qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être point berné. S'il faut que sur vous on ait la moindre prise, car qu'au carrefour on ne vous tympanise et... Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé, qui pourra m'attraper sur ce point? Je sais les tours rusées et les subtiles trames dont pour nous implanter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés et celle que j'épouse à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte? En un mot. Épouser une sotte et pour n'être point sot. Je crois en bon chrétien votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, je m'irais charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et querelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits et que visiterait marquise et beaux esprits, tandis que sous le nom de mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime même, ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème.
En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est dans votre marotte? Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Ou tant qu'il est assez ennuyeux que je crois d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge je réponds. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte. Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte, vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien, ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint en pensée, et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée et, comme ma demeure à 100 sortes de gens est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir. Dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'un ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup, je l'admire. Et parfois, elle en dit, dont je parle de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolf. Bon, mais voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser? Né d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche plus qu'Arnolf à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit, tout alentour, faire un fossé bourbeux, et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte? Mais enfin, de la Souche, elle n'en que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appâts, et m'appeler de l'autre, et ne m'obligez pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre, et je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous. Soit, là-dessus, nous n'aurons point de bruit, et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Aïeux, je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières. Je
qu'il est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion, un chacun est chaussé de son opinion. Voilà. Yep. Hourré. On n'aura que, je pense, grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Yep. Voilà. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Voilà, oh, je vous prie. Votre maître. Alain, ouais. Monsieur couronné, ouvre-toi. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura pas à manger de plus de 4 jours. Par quelle raison y venir quand j'y cours? Ouvre pas plutôt que moi le plaisant stratagème. Honte-toi, nom de là. Non, honte-toi toi-même. Ne vous ouvrira pas. Et je veux l'ouvrir moi. Ne l'ouvrira pas. Ni toi non plus. Il faut que j'aie ici l'âme bien patiente. Moi, c'est moi, monsieur. Je suis votre servante, c'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... Peste. Vous voyez ce lourdeau là? C'est elle aussi, monsieur. Que tu nous restaises! Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien, là, comment se porte-t-on ici? Monsieur Nounou... Monsieur Nounou porte... Dieu merci, Nounou... Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien. J'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non? Oh, si faire! Et pourquoi donc? Oui, je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'voyons jamais passer devant chez nous. Cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prie pour vous. La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or les puces qui m'ont la nuit inquiétée. Ah, vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Oh. Vous me ferez plaisir. Et je ne puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science, de valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est pas par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit... Que vois-je? Oui, je me trompe. Nini, non, c'est lui-même. Oh, seigneur Horace! Arnolphe! Ah, joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne? Oui, depuis 10 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce, Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère, que dit-il? Que fait-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qu'il touche, il sait que je prends part. Nous nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui plus est, écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous, mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens et qui retourne en ces lieux avec beaucoup de bien qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous a-t-on point dit comment on le nomme? Henrique. Non. Mon père m'en parle et qu'il est revenu comme s'il devait m'être entièrement connu et m'écrit qu'en chemin, ensemble,
Ils se vont mettre pour un fait important que ne déploie sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles, sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien. Vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter. Car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde. Et les maris aussi les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince. Et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une, hein? Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. Ne vous rien cacher de la vérité pure. J'ai d'amour en ces lieux eu certaines aventures, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce, qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh! Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici, d'une beauté, mon âme s'est éprise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès. Et sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. C'est... un jeune objet qui loge en ce logis. Donc vous voyez ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu, cette Agnès qu'on l'appelle. Je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zoussou, source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous pas, hein? La fâcheuse pilule. Et vous ne dites mot. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Et qu'en dites-vous? Quoi? C'est-à-dire oui, jalouse à faire rire, sot. Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou, pour ne vous pas mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts et que ce doux métal qui frappe tant de têtes en amour comme en guerre avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessein que j'ai fait? Non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Oh, faut-il... Non, chef, veuillez être discret et n'allez point de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh. Oh, que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien.
Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant rigueur. Mais, ayant tout souffert, je devais me contraindre jusque à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son quinquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre. Il n'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entière confidence. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver. Et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route, car enfin de mon cœur, le trouble impérieux n'eût pu se renfermer tout entier à ses yeux. Il eût fait éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours. Et sans tarder, apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte. Et tout ce qu'elle a fait enfin est sur mon compte. Éloignement fatal. Voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois c'est... Venez, chacun d'eux. Passez là. Passez là. Venez là. Venez. Oh, vous me faites peur et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi, et tous deux de concert. Vous m'avez donc trahi. Ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quel fou chien. Enragé de la mordue, je m'assure. Je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Vous avez donc souffert aux canailles maudites qu'un homme soit venu. Tu veux prendre la fuite? Il faut que sur le champ, si tu bouges, je veux que vous me disiez. Oui, je veux que tous deux, quiconque remuera par la mort, je sors. Comme est-ce que c'est moi? C'est introduit cet homme. Hé, parlez! Dépêchez, vite, promptement, tout, sans rêver! Veut-on dire? Ah, le cœur me fond! Je meurs! Je suis en eau. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné, quand je l'ai vu petit, qu'il croîtrait pour cela? Ciel que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons à modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur, doucement. Levez-vous et rentrant, faites qu'Agnès descende. Arrêtez! Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir. Et moi-même, je veux l'aller faire sortir. Que l'on m'attende ici! Mon Dieu! Il est terrible. Ses regards m'ont fait peur. Mais une peur horrible.
et jamais je ne vis un plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est-ce là, qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher, et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient-il épris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui volent dans sa soupe, aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les bios, monsieur? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je mets la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet. Afin que dans ce temps la bile se tempère, et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès et je la fais venir dans ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et lui sont dans le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès. Rentrez. La promenade est belle. Bonjour. Pourquoi? Et quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyez-t-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose.
Voyez la médisance, et comme chacun cause, quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue, et ses harangues, et je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... J'en assure, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, une troisième aussitôt repartant, une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Nouvelle. Et moi qui tous et tout fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais tant que. Si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me put estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sous notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a point fait une belle personne afin de maluser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Chipeau de Satan, exécrable d'aller. Maman, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vit du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Et mon Dieu! Ma surprise est fis-je 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle. Vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours, mon Dieu. J'en aurais, dis-je, une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent de cela empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je. Et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables drames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Ou même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui s'en guide à laisser cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pandard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez ce me semble un petit. Est-ce que
c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal si tôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'ont montu notre Alain et Georges. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Ouais, mais que faisait-il, étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi. J'y suis tout émue. Fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Pourtant, il me prenait les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris Agnès quelque autre chose? Quoi? Plaît-il? Je n'osais. Vous vous fâcherez peut-être contre moi? Non. Si fait. Oh, mon Dieu, non. J'aurais donc votre foi? Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère? Non. Si. Non, 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 non. Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il. Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Oh, quoi? Il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller... Le cœur est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Mais la raison, de grâce! La raison est la réprononcée que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrousse? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie il goûte à tout cela! Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, l'on me revoit ici. Est-il possible? Oui. Oui, je ne doute pas que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais pas pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout le monde? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand?
dès ce soir. Oh, dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait d'horreur? Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec... là. Là? Mais là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en amour que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce. Qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis, pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement. Et lui jetant, s'il heurte, un gré par la fenêtre. L'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Las, il est si bien fait. Oh, c'est... que langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez. Obéissez. Ma joie est sans pareille. Vous avez suivi la mes ordres à merveille. Confondu de tout point le blondin séducteur. Et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez, sans y penser, où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces damoiseaux, on sait trop les coutumes. Ils ont de beaux canons, force rubans, des plumes, grands cheveux, belles dents, et des propos fort doux. Mais comme je vous dis, la griffe est là-dessous. Et ce sont vrais Satan, dont la gueule altérée, de l'honneur féminin, cherche à faire curer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne pas différer les noces où j'ai dit qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège au frais, ici. Vous, si jamais en rien... De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... S'il entre jamais, je veux jamais ne boire. Aussi bien, est-ce un sot? Il nous a l'autre fois donné 2 écus d'or qui n'étaient pas de poids. Ayez donc pour souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici l'un ou l'autre au retour le notaire qui loge au coin du carrefour.
Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là, durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirez ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à 20 parties, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet, d'autant mieux, vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître, à faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont pas d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers, des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux mot, elle deviendra l'or noir, comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, répartage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur, dans le couvent, doit savoir son office, entrant au mariage, il en faut faire autant. Et j'ai là dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou
les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime, c'est le qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête. Malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire. Mais pour l'heure présente, il ne faut rien lire. Deuxième maxime, elle ne doit se parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime, loin ses études de yade, ses os, ses blancs, ses pommades et mille ingrédients qui font des teints fleuris à l'honneur tous les jours. Ce sont drogues mortelles et les soins de paraître belles se prennent peu pour les maris. Quatrième maxime, sous sa coiffe en sortant comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Cinquième maxime, or ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. Sixième maxime, il faut des présents des hommes, qu'elle se défende bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Septième maxime, dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Huitième maxime, ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Neuvième maxime, toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste, car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout.
tout son reste. Dixième, maxime, des promenades du temps, ou repas qu'on donne aux champs. Il ne faut pas qu'elle essaie, selon les prudents cerveaux, le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paye. Onzième, maxime. Vous achèverez seul. Et pas à pas, tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez. Et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient, qu'il m'attende un moment. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cet arbre comme un morceau de cire entre mes mains. Je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence, on le m'ait attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux à dire vérité que la femme qu'on a pêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple aux leçons est docile. Et si du bon chemin on l'a fait écarter, deux mots incontinents peuvent l'y rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête. De ce qu'elle s'y met, rien ne la fait gauchir, et nos enseignements ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent des vertus de ses crimes, et trouver, pour venir à ses coupables fins, des détours, à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup, en vain on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue. Et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup d'honnêtes gens en pourraient bien que dire. Enfin,